Je vois que vous avez aussi des belles peluches derrière. C'est gentil. Eh bien, bonjour à tous. Ça y est, c'est parti, on est en live. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour cette seconde journée de l'AG French Direct. On est en compagnie de Anne-Laure. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Hello. Et je Ça va, suis aussi en compagnie de Matt, qui a pu du coup un petit ça peu va. Hello. toucher justement au RPG Noob et qui a aussi quelques petites questions. Déjà, merci d'être là. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément? Alors, moi, c'est Gaïa. Je suis principalement connue, du coup, pour mon rôle dans la web-série Noob. Et je suis, du coup, également dans la team Olydri depuis un bon bout de temps. Et maintenant, bah, je fais également des bandes dessinées, j'écris des bêtises, on écrit des sketchs. Voilà, et donc, du coup, je m'occupe de la maison d'édition. Et donc, depuis plus récemment, du coup, on gère également le RPG Noob dont on va parler. Bah c'est super. Et bah justement, on va tout de suite montrer quelques images du jeu et si tu veux dans la foulée, commencer à présenter ce projet. D'accord. Donc on t'écoute. Tu veux un petit peu briefer du coup ce que c'est, son concept, d'où il est né pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi le pedigree du Alors, jeu. en gros, le RPG Noob, c'est un petit peu la toute première adaptation en jeu vidéo de la licence transmédia Noob. C'est une licence qui est française, et oui, Cocorico. Et donc, du coup, c'est une licence qui se déroule dans un MMORPG fictif. Un jeu vidéo en ligne massivement multijoueur. Et du coup, en fait, ce projet en fait, qu'on a eu de faire un RPG dans un MMORPG, c'est vraiment l'originalité un petit peu de ce projet. Parce que la question est venue en fait, de savoir pourquoi on n'a pas lancé un projet de MMORPG dès le départ. Eh bien, tout simplement parce que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent et que c'est souvent ça qui est un peu la clé de tout en matière de jeux vidéo. Et donc, du coup, nous, notre thématique de base avec la web série, ça a toujours été donc le MMORPG. Et arrivé un petit peu à la saison 9, on s'est dit, bon, bah tiens, notre univers se déroule dans un jeu vidéo, pourquoi ne pas essayer de tenter l'aventure du gaming, alors même que c'est pas du tout à la base notre milieu. Nous, voilà, on fait de la fiction sur Internet, on a fait une maison d'édition en faisant des bandes dessinées, des romans, des mangas, mais vraiment, un jeu vidéo, c'était quelque chose voilà, qui est pas du tout, en principe, dans nos cordes. Donc, c'est un projet qu'on a lancé un petit peu comme ça, comme une bouteille à la mer, sans savoir vraiment ce que ça allait donner. Et d'ailleurs, pour preuve, quand on a lancé cette campagne de financement participatif sur le site de Ulule, on a proposé de faire un RPG à l'ancienne, un truc vraiment old school, dans les codes, on va dire, des RPG de l'époque, hein, un peu à la Secret of Mana, un peu à la Suikoden 1 et 2. On était vraiment dans cette idée-là, de faire un jeu qui soit vraiment à notre portée. Et on avait même prévu à la base de faire un jeu qu'on puisse développer sur RPG Maker, donc c'est dire. C'est-à-dire que si jamais on trouvait personne pour nous aider, l'idée c'était qu'on puisse être capable de le faire nous en interne avec nos équipes. Donc on était vraiment sur un projet qui était vraiment pas, enfin je veux dire vraiment abordable pour nous, accessible. Et puis, il se trouve que la campagne de financement participatif a pris une envolée et que sur le budget de base qu'on avait demandé, je crois que c'était genre 30 000 euros, un truc comme ça, je sais plus. On a pulvérisé complètement le score et on a atteint plus d'1 200 000 euros. Et donc du coup, bah, on a été un petit peu emporté par ça et on a commencé à se dire bon bah du coup, il va vraiment falloir revoir le projet à la hausse. Mais comme on n'avait aucun contact dans le monde du jeu vidéo et qu'on connaissait pas bien les prix, on n'a pas vraiment voulu trop, comment dire. S'avancer sur ce qui était réalisable. On avait vraiment envie de faire mieux, mais on ne savait pas ce qu'on pouvait dire, parce qu'évidemment, qu'est-ce que c'est une campagne de financement participatif? C'est un rapport de confiance entre une communauté et un porteur de projet. Il faut que le projet, on soit capable derrière d'assumer et de livrer le projet. Donc, c'était pas évident, il y avait une espèce d'effervescence autour du projet,
Et nous, on était un petit peu à la fois dans la retenue pour pas trop s'avancer et à la fois emballé à l'idée de se dire « Oh mon Dieu, on va faire un jeu triple A !» Enfin voilà, bref. Non, on n'était pas dans cette idée-là non plus, mais voilà, on n'avait pas trop de notions. Du coup, il a fallu qu'on se renseigne. Et on a eu la chance, du coup, d'être approché par le studio Black Pixel, un studio nîmois, qui nous a dit « Bah écoutez, vu ce que vous avez envie de faire, un RPG au tour par tour, on peut s'en occuper, et même, on va même faire mieux, on va peut-être faire ça sur Unity, on va peut-être faire ça avec des graphismes qui seront bien plus jolis. » Et bah, forcément, nous, on a été emballés, quoi. Donc, on est parti dans cette aventure avec eux. Et aujourd'hui, bah, on est ravis parce qu'on arrive vraiment en bout de course. Ça fait 3 ans que les équipes de Black Pixel et d'Olydri travaillent de concert pour faire ce RPG. Je dis de concert parce que Black Pixel s'est occupé de toute la partie développement, tout ce qui était technique. Et Olydri a été là pour toute la partie créative principalement, avec Fabien Fournier et moi pour ce qui est du scénario. Les dialogues qui ont été faits par Fabien Fournier aussi. On a l'équipe aussi des dessinateurs qui sont Philippe Cardona et Florence Torta pour tout ce qui est les box de dialogue. C'est eux qui ont fait les dessins, les illustrations 2D. On a Fanatpak qui a fait les cinématiques aussi 2D. On a Benjamin Oziel qui s'est occupé de la musique. Donc, tout ça, c'est des gens qui travaillent déjà avec nous pour ce qui est de la web-série et pour ce qui est des projets d'édition. Donc, voilà, il y avait vraiment la volonté de faire en sorte que l'univers de Noob soit présent et que graphiquement, ça se ressente, qu'au niveau aussi de la musique, parce que Benjamin Oziel, c'est un des compositeurs sur la web-série Noob. Donc, il y avait vraiment cette envie d'avoir quelque chose de cohérent et pour que la communauté, du coup, qui a financé ce jeu, puisse vraiment être immergée dans l'univers de Noob, qui est donc du coup qui est la licence pour laquelle ils ont financé. Bon, je suis partie peut-être un peu loin, mais... Bon, moi, ça fait une présentation bien complète. Il faut m'arrêter, en fait. T'as dû devancer 2-3 petites questions, mais il n'y a pas de souci. Au moins, là, on a vraiment un bel aperçu. Matt, qui est avec moi, a suivi le jeu depuis le tout début. Il était là lors de l'annonce et je sais qu'il avait rencontré vos équipes, notamment à des festivals. Le Hero Festival et Japan Expo Sud. Japan Expo Sud, ouais. Du coup, t'as certainement 2-3 petites questions à poser. Oui, bah justement, au niveau de la chronologie, au niveau de l'histoire, où va se situer une Noob RPG par rapport à la web-série, au roman ou au BD? Alors c'est ça, la difficulté, c'était de faire quelque chose, un contenu qui soit à la fois indépendant pour que n'importe qui connaisse pas la licence Noob puisse découvrir ce jeu voilà, sans être dérangé et que ça puisse être à la fois indépendant, mais aussi que ce soit complémentaire, parce que les personnes qui ont financé ce jeu, c'est la communauté de Noob. L'idée, c'était pas de ressortir la même histoire qu'ils ont vu et revu, que ce soit dans la web-série, dans les romans, dans les light novels, dans les BD. Donc, on a un contenu qui est volontairement indépendant, mais qui va s'inscrire dans la chronologie transmédia et dans la chronologie de Noob. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, parce que j'y arrive quand même, ça se situe entre la saison 9 et la saison 10. Et je dirais même peut-être courant, on va voir comment on fait cette saison 10, mais voilà, ce sera probablement dans ces eaux-là, quoi, après la saison 9. Donc c'est-à-dire que probablement les personnages qu'on voit dans Noob RPG, est-ce qu'on les reverra sur la web-série plus tard ou... C'est vraiment l'objectif. En fait, à la base, le design des héros que vous avez vus, ça n'a pas été fait au hasard. C'est suite à des rencontres en festival où on sympathise avec certaines personnes qu'on a rencontré du coup l'équipe, c'est un groupe qui s'appelle Starry Sky qui est extrêmement présent, c'est un groupe qui est extrêmement présent en festival et du coup on a énormément sympathisé au fil des années et il était prévu qu'en fait il tourne avec nous, un de ces quatre. Et on leur a dit, quitte à vous faire des nouveaux personnages, ça pourrait être pas mal qu'en fait ce soit vous qui incarniez les nouveaux héros, parce que ils sont beaucoup plus, ils sont plus jeunes que nous, et donc ils avaient donc du coup la possibilité d'incarner un peu cette nouvelle génération, c'est Noob Shippuden, avec du coup un peu la nouvelle génération qui va marcher sur les pas de l'ancienne des quatre héros de Noob, et donc du coup on les a rencontrés en festival, et donc du coup on a Buster,
qui est donc le personnage que va jouer Tai, qui est donc le chanteur. On a le personnage de Drake, qui va donc être incarné en principe par Neku, le bassiste. On a Mei, qui est donc la cartomancienne dans le jeu, qui va être incarnée par Sasha, donc la chanteuse de Starry Sky. Et le dernier, le petit dernier, lui, il ne fait pas partie du tout des Starry Sky, c'est Logs, qui va donc être incarné par Joris Boyer, qui est le dessinateur des mangas Noob Reroll et Neogicia. Voilà, donc ça, c'est notre nouvelle petite équipe. Et donc, dans l'idée, on aimerait pouvoir, dès qu'on pourra tourner, évidemment, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, c'est 6 max, hein, je vous rappelle. Donc, c'est un petit peu délicat en ce moment de tourner. Mais voilà, et puis surtout qu'en plus, Joris Boyer, en ce moment, il est au Japon. Voilà, donc, monsieur est devenu mangaka, donc ça y est, il se la pète. Et donc, du coup, dès que il rentre du Japon, dès qu'on peut l'avoir, on espère pouvoir tourner également des scènes avec lui. Bon, si jamais on peut pas l'avoir, on verra comment on peut faire. Mais en tout cas, voilà, on espère pouvoir tourner quand même prochainement avec les membres de Starry Sky et puis le personnage de Logs, quoi. Voilà. D'accord. Et au niveau des fins, est-ce qu'on peut s'attendre à plusieurs fins dans le jeu ou est-ce que c'est des fins qui sont déjà prédéfinies, quoi? Alors, il y a deux modes. Il y a histoire et donc ce mode histoire, c'est un petit peu près, il y a quoi? C'est 30-40 heures de jeu, à peu près. Et après, suite à ça, il y a le mode légendaire qui est du coup avec toutes les quêtes annexes. Et là, on est sur 10-20 heures de jeu. Donc, pour en gros, une durée de jeu globale entre 40 et 60 heures de jeu. Et donc, on a l'histoire qui va se dérouler jusqu'au niveau 100. Et après le niveau 100, il y aura même la possibilité d'avoir accès à ce qui n'est pas possible avant, parce que sur le plan narratif, c'était compliqué. Mais il y aura la possibilité à partir, donc du coup, une fois qu'on a fini le mode histoire, il y a la possibilité de se déconnecter, de se reconnecter pour aller dans l'IRL et dans l'in-game. Oui, parce que c'est ça aussi la particularité du jeu, c'est le fait qu'il y a, il y a à la fois accès à des phases de jeu IRL pour les personnages et des phases de jeu in-game, parce qu'on est dans un MMORPG, on simule un MMORPG avec du coup les personnages qui ont leurs activités, leur quotidien, toute une ville qui a été créée avec plein de références évidemment pour toute la sphère geek et du coup le jeu, le MMORPG fictif auquel ils se connectent, donc avec des interactions évidemment, des liens, des quêtes à la fois IRL et in-game, des choses comme ça. Et donc sur le plan narratif, c'était difficile de faire des déconnexions intempestives pendant toute la phase du mode histoire. Mais par contre, une fois le mode histoire terminé, une fois qu'ils arrivent au niveau 100, il y aura la possibilité du coup de se déconnecter et de se reconnecter pour eux à chaque point de sauvegarde pour pouvoir passer d'un univers à un autre, pour pouvoir justement continuer à explorer, à faire des quêtes et à faire tout ce qu'on n'a pas fait dans le mode histoire, pour pouvoir ensuite faire tout ce qu'on a appelé le mode légendaire, qui du coup permettra d'avoir la classe légendaire, des armes légendaires et tout. D'accord. Et au niveau de la carte du monde aussi, dans l'UberPG, j'ai vu que ça avait un petit côté, du moins pour moi, parce que j'avais joué à Golden Sun à l'époque, il y a un petit côté Golden Sun. Est-ce que ça a été plus ou moins l'une des inspirations au niveau de la carte du monde? Alors, l'inspiration de la carte du monde, je ne sais pas trop, parce qu'à la base, on a passé une carte qui avait déjà été faite par Fanatpak, notre illustrateur sur la série. Et donc, on avait déjà une carte de poser, qui est celle du lore du monde d'Olydri. Et ça a servi de base pour les développeurs qui, eux, ont repris cette carte et l'ont fait un peu à leur façon. Mais globalement, je ne sais pas, en tant qu'eux, pour ce qui est de la phase de développement, pour la carte qui apparaît dans le jeu, je ne sais pas quelle a été leur source d'inspiration à eux, par contre. Ça, il faudrait leur demander directement. D'accord. Ok. Et au niveau des montures, on pourrait en avoir combien? Alors, je ne sais pas combien, mais en tout cas, il y a des montures qui sont terrestres, des montures aquatiques et des montures
qui permettent de voler. Donc, il y a vraiment, voilà, les trois types, on va dire, de montures. Des dragons, des choses comme ça. Alors après, évidemment, ça doit être de plus en plus badass, plus on augmente en niveau, hein. Il y aura des montures légendaires. Et du coup, pour les montures, comment on peut les obtenir dans le jeu? Il faut obligatoirement capturer des monstres au niveau des phases de combat au tour par tour? Alors, je crois qu'il y a un maître des. Je sais plus ça. Je crois que c'est comme pour les MMORPG, on a vraiment essayé de calquer à ce qui se fait dans WoW ou autre. Il doit y avoir un PNJ qui est dédié à ça et qu'il faut aller voir. Et mon avis, dans le cadre du mode histoire, l'histoire doit nous mener à ça. Et après, on doit pouvoir y retourner, je pense, pour pouvoir augmenter. Mais ça, là-dessus, ayant fait une version, pas forcément une version plutôt antérieure, je veux pas dire de bêtises, là-dessus, je ne saurais pas vous dire. D'accord, ça marche. J'ai quelques questions Voilà. assez simples dans le chat. Des personnes qui ne connaissaient pas forcément du coup le RPG Noob, qui nous demandent du coup si c'est bien un jeu solo, s'il y a de la coop, qu'on nous demande aussi la C'est un période de jeu solo. sortie, tout ce qui est période de sortie et tout. Est-ce que tu peux un peu nous résumer un peu les informations, on va dire, générales, entre guillemets? Alors, c'est un jeu évidemment solo. En gros, c'est une équipe de quatre héros, mais n'apparaît à l'écran pour plus de lisibilité qu'un seul des quatre héros, avec la possibilité de changer hein, selon qui on veut voir apparaître. Et c'est uniquement dans les phases de combat qu'on voit les quatre personnages, et comme c'est du tour par tour, évidemment, on les voit attaquer chacun à leur tour. Pour ce qui est des dates de sortie, on a la bêta 2 qui doit sortir du coup début avril. Black Pixel m'a parlé plutôt entre le 5 et le 10 avril. Pour ce qui est de la pré-release, on aimerait pouvoir le sortir en mai. Et en fonction des retours de la communauté, parce que la pré-release, on va l'envoyer à l'ensemble des contributeurs, donc c'est-à-dire environ 20 000 personnes. Et en fonction des retours de ces 20 000 personnes par rapport au jeu, s'il reste encore des bugs, des choses comme ça, on posera une date pour ce qui est de la sortie, la vraie release, sachant que on attend encore des nouvelles de Steam et d'autres potentiels comme GOG ou autres. Et donc du coup, en fonction de ce qu'on aura comme information, on pourra poser une date à ce moment-là. Là, pour le moment, c'est trop tôt. Faut savoir que ça met quand même un peu de temps aussi. Ils mettent un peu de temps comment dire, à répondre. Donc il faut s'y prendre très tôt. Peut-être qu'on est un peu tard, mais en tout cas, voilà, faut s'y prendre en avance pour avoir pour être sûr de pouvoir être en vente. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que le jeu est déjà actuellement en vente, en fait, puisqu'il y a eu le crowdfunding. Mais suite au crowdfunding, on a lancé une session de rattrapage sur notre site, en fait, si on va sur PGM Stuff. Le jeu, en fait, actuellement, il est à 15 euros en session de rattrapage et il sera aux alentours de 25 euros, je pense, ensuite dans le com, enfin, sur Steam. Ce sera, je pense, vers ces eaux-là. On a regardé un petit peu dans des projets équivalents au niveau de la durée de jeu. Là, on est sur 40-60 heures de jeu pour le RPG, donc on serait dans ces eaux-là. Mais voilà, le jeu est déjà, du coup, en prévente et toutes les personnes, du coup, qui ont participé au crowdfunding et du coup à la session de rattrapage recevront la bêta pour les bêta-testeurs du coup début mai et comment non début avril pardon et ensuite du coup la pré-release du coup en mai je... Ok, oui, donc la sortie, c'est vraiment tout proche. Ça va être tout proche voilà mais bon du coup on est plutôt confiants. L'équipe de Black Pixel en tout cas ils sont plutôt confiants. On est vraiment en train de boucler les derniers bugs qui ont été rapportés par les contributeurs. Parce que l'avantage en fait d'avoir eu les contributeurs, c'est qu'ils ont pu suivre tous les alpha testeurs et les bêta testeurs. Ils ont pu suivre l'évolution du projet depuis 3 ans. Et donc ils ont pu nous dire à chaque fois que, enfin pas depuis 3 ans exactement, parce qu'ils n'ont pas le jeu depuis 3 ans, mais en tout cas ils ont pu vraiment le tester, comment dire,
vraiment le malmené, on va dire. Et donc, ils ont pu faire pas mal de rapports de bugs. On leur a mis à disposition aussi un logiciel, une espèce de bug tracker qui leur a permis en fait d'indiquer dans quelle zone ils avaient un problème, quel est le problème qu'ils ont rencontré. Et après, avec le logiciel, ça a permis en fait d'avoir un peu une vision sur l'importance du bug et l'occurrence. Donc du coup, ça a fait un ordre de priorité et ça a vraiment aidé Black Pixel du coup pour tout ce qui a été test et des bugs. Oui. J'ai une question dans le chat du coffre du geek qui demande si on peut s'attendre un peu à de la nouveauté dans la recette RPG, puisque vous vous inspirez en fait beaucoup des RPG un peu old school, etc. Est-ce que l'objectif c'était d'avoir quelque chose d'un peu, enfin, voilà, un petit côté tradition, un petit côté qui se rapproche vraiment de ce qu'on avait avant, ou vous avez essayé d'apporter des nouveautés? Quelles seraient du coup, qu'est-ce qui pourrait détacher le RPG nous, ou est-ce que c'est vraiment l'objectif, c'est d'essayer d'être dans les standards de l'époque pour surfer un petit peu sur la nostalgie? Alors l'objectif clairement affiché de Fabien, c'était vraiment la nostalgie, c'était vraiment de faire un jeu rétro comme à l'époque, parce que Fabien c'était un grand grand fan des jeux rétro de l'époque, c'est ça qui a vraiment inspiré lui, même je dirais tout depuis le début, sa volonté d'être auteur, de créer des univers, c'est vraiment les jeux comme Secret of Mana, Zelda, c'est vraiment tout ça qui l'a inspiré, donc il a vraiment eu de base la volonté de créer un RPG old school, quoi. C'était vraiment ça qui était en ligne de mire. Mais l'originalité, quand même, par rapport à d'autres RPG, c'est que là, on est du coup dans un RPG qui simule un MMORPG. Et donc, le fait d'avoir un peu un jeu dans un jeu fait qu'on a des personnages qui ont conscience de jouer à un jeu vidéo. On a donc de l'humour et des dialogues qui sont assez spécifiques. On a par exemple des choses qui apparaissent pas dans les RPG classiques, comme un farmer, comme un hacker, comme un maître du jeu, avec des dialogues, des trucs rigolos, enfin des trucs voilà, qui sont plutôt insolites. On retrouve du coup l'humour de noob à travers ça. Et ça, pour le coup, c'est ça qui est un petit peu l'originalité, on va dire, de ce RPG par rapport à un RPG classique. C'est tout ce qui va... tout, voilà, c'est à la fois voilà, l'humour, le fait de pouvoir passer d'un monde IRL à un monde in-game, d'avoir des interactions entre les deux. Et parce que voilà, y a de l'humour, on est sur une... pas une... comment dire... On aime bien un petit peu taquiner, voilà, l'univers des MMORPG, la sédentarité des joueurs, les problématiques du coup... que rencontrent les joueurs dans l'IRL par rapport à leur jeu in-game. Ça a toujours été ça, on va dire, qui nous faisait marrer sur Noob. Et du coup, on a vraiment essayé de garder ça dans le RPG, qu'il y ait toujours ce même humour, quoi. Est-ce que je peux poser une question qui dérange? Ah, tu peux, hein. Oui, alors c'est parce qu'en fait, je comptais pas aborder le sujet, mais c'est parce que j'ai Clovinou qui aborde Je sais qu'il y a eu une polémique il y a quelques mois par rapport au graphisme du jeu. Et il me semble que c'était des visuels sur Twitter qui avaient été partagés, qui avaient suscité pas mal de polémiques des personnes qui n'étaient pas forcément au courant de l'avancée du développement. Il me semble que ça, c'était issu d'une alpha, et déjà, les images ont évolué depuis. Mais du coup, qu'est-ce que tu aurais à répondre aux personnes qui ne sont pas forcément au courant des avancées du développement ou par rapport à tout ça? Parce qu'au final, aujourd'hui, on se retrouve avec des graphiques qui sont jolis et on ne comprend pas forcément la polémique qu'il y a eu. Alors, en fait, surtout, moi, à la base, j'étais dans la voiture. On s'était permis une semaine de vacances en 3 ans. Bon, bref. Et donc, on était contents. On était là, ouais, on est en top tweet, c'est trop bien. Et quand on a vu pourquoi on était en top tweet, du coup, on était un peu deg. On était en top tweet, enfin, c'était un peu, voilà, un peu ballot. Non, on était un peu... oui, bah, c'est sûr, ça ne fait pas plaisir hein, d'avoir des avis négatifs. Ce qui était un peu plus problématique pour nous, c'est lorsque cet avis qui était d'une personne, voilà, un avis parmi tant d'autres sur Twitter, a été rapporté, amplifié. C'est devenu limite une vérité, une générale, enfin vraiment quelque chose d'affirmé. Et que ça a pris une telle ampleur qu'on s'est retrouvé en top tweet et après relayé par le stream et même le magazine High Tech. Donc c'est là en fait on s'est dit bon là ça va pas du tout parce que à la base c'est quelqu'un qui en plus était même pas parmi les alpha testeurs.
C'était même quelqu'un qui avait piraté pour avoir accès à. Donc bon, déjà, voilà, déjà la méthode était un peu contestable. Mais après voilà, après c'était que son avis sur les graphismes. Mais le fait d'affirmer du coup avec un avis seulement d'une personne que l'ensemble des contributeurs étaient extrêmement déçus par la qualité des graphismes. Déjà, c'était une généralité qui était fausse, puisque nous, on était en lien avec la communauté depuis le tout début. Comme je dis, ça fait 3 ans qu'en fait, on fait des annonces régulières, que les gens, en fonction du palier auquel ils ont participé, ont accès. Donc, les alpha-testeurs, ça fait 8000 ans qu'ils ont accès à l'alpha. Et donc, du coup, c'est vrai que quand c'est sorti, déjà, c'était des informations qui étaient périmées. Les graphismes, depuis, avaient évolué. On était sur quelque chose de toute façon évidemment qui était amené à changer. Là par exemple, Black Pixel nous a dit il y a pas longtemps encore que ils allaient faire un gros boulot par rapport à tout ce qui est cel shading parce que ils avaient volontairement baissé la qualité du jeu, du rendu pour pouvoir travailler pour que ce soit plus léger, plus souple. Donc on n'est même pas encore aujourd'hui au stade final, c'est-à-dire que peut-être que là, avec la bêta 2 qui va sortir du coup début avril, on aura une version un peu plus... Si le cel shading, ça rend un effet qui sera mieux, on le maintiendra aussi. Donc voilà, on est encore en phase d'amélioration. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est le fait que des généralités comme ça qui soient faites, que ça prenne une ampleur comme ça et que sans vraiment un travail vraiment de recherche journalistique, ce soit annoncé, publié. Et du coup, maintenant, quand on tape Noob RPG, c'est la première chose sur laquelle on tombe, ce qui est un peu injuste quand même pour à la fois Black Pixel et pour nous qui bossons dessus depuis 3 ans. Personne n'en parle d'habitude. Et là, d'un coup, ils en ont tous parlé, ça y est. Je trouvais que c'était un peu violent. C'est dommage d'avoir eu autant de bruit autour d'un seul... Je conclurai juste en disant que... En fait, je crois que tout simplement, la désinformation est beaucoup plus séduisante que l'information vérifiée. Voilà. On est d'accord. Mais oui, non, mais c'est malheureux du coup qu'à partir d'un seul élément, ça ait pris autant d'ampleur. En tout cas, merci beaucoup pour avoir pris la parole sur ça, c'est chouette. Et Clovinou nous dit qu'il ne faut pas lui en vouloir pour avoir abordé le sujet dans le chat. Il ne veut pas que tu le gorveilles. Ah non, mais il n'y a pas de souci, hein, de toute façon. Mais le jeu a bien évolué depuis. Déjà, depuis les visuels qu'on a pu voir sur Twitter, ça a déjà été amélioré, ça a pas mal changé. Et puis, c'est vrai que c'est dommage de se baser sur des images qui provenaient d'une alpha. En plus, il me semble que c'était même pas encore en bêta. Donc, voilà. Oui, c'est ça, c'était des visuels de l'alpha. Puis bon, après, voilà, c'est un jeu aussi. C'est pas un jeu triple A non plus, hein, donc les graphismes, déjà, ils ont été améliorés déjà depuis. Et puis en plus, il faut remettre le jeu aussi dans une certaine réalité par rapport à ce qui se fait en matière de jeux vidéo, quoi. Oui, totalement. Je vois l'heure qui tourne, ça allait super vite. Ça doit être super passionnant de travailler sur sa propre licence en jeu vidéo. Je voulais savoir un petit peu ton ressenti sur ça et aussi un petit peu les craintes que vous aviez eues en développant le jeu. Parce que ça doit être un sacré défi de se lancer dans le jeu vidéo au final. Pour Fabien, ça c'est sûr, c'était vraiment un rêve de gosse d'avoir un jeu vidéo, pouvoir participer à l'élaboration d'un jeu vidéo, ça c'est clair. Moi, j'avais pas ce rêve-là, on va dire, de faire un jeu vidéo, mais ayant participé à la licence Noob qui se passe dans MMORPG, étant moi-même joueuse de MMO, le fait d'avoir un jeu tiré de notre licence, c'était limite une suite logique en fait, c'était tout à fait cohérent. Donc, y a une fierté déjà de pouvoir se dire qu'on a réussi à accomplir quelque chose d'aussi ambitieux. Parce que voilà, pour le coup, un jeu vidéo, maintenant qu'on sait exactement ce que ça implique et le temps de travail que ça demande, c'est pas à la portée de tous. Donc, le fait de pouvoir terminer un jeu, du moment que la communauté, évidemment, est contente, que les contributeurs sont satisfaits, nous, on sera satisfaits. Le fait de ne pas avoir de pression par rapport derrière à des investisseurs potentiels ou à des objectifs de rentabilité ni quoi que ce soit, pour nous, ça nous enlève vraiment une pression. Nous, pour nous, c'est que du kiff, c'est que du bonheur, en fait, de se dire on a un jeu vidéo, les gars, quoi. C'est quand même un truc de fou. À la base, on était trois pignoufs dans la campagne en train de filmer avec la caméra sur l'épaule. Et ça a pris une ampleur folle de la web-série à tout ce qui est édition.
pour ensuite aboutir à un jeu vidéo. Enfin, l'aventure nous a déjà porté tellement loin, on est déjà super content d'avoir quelque chose comme ça qui peut aboutir. C'est un nouveau point d'entrée en plus pour nous, pour la licence. Ça va permettre peut-être à des gens qui connaissent pas Noob de découvrir, et peut-être même, pourquoi pas, si on essaye de le faire traduire, d'avoir peut-être une portée internationale à Noob. Parce que Noob, c'est quand même à la base une licence qui est surtout francophone. On n'a jamais tenté l'international. Et bien, avec ce jeu vidéo, on va peut-être pouvoir essayer de faire passer un peu Noob à l'international. Et ça, voilà, ça nous ouvre des perspectives qui sont super enthousiasmantes, quoi. Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. C'est chouette, puisqu'on t'entend en parler avec beaucoup de passion, et il doit avoir une énorme satisfaction personnelle à concrétiser un projet comme celui-ci, en tout cas. Je sais pas du tout si t'as un petit mot de la fin que tu voudrais partager, soit aux personnes qui ne connaissent pas Noob, ou au contraire aux fans, du coup, à tes fans, je sais pas si t'as quelque chose à dire. Déjà, tous les contributeurs qui ont permis quand même à ce jeu de voir le jour, ils nous ont fait évidemment faire record sur record sur le site d'Ulule. Je sais que c'est le monde du jeu vidéo, c'est extrêmement compliqué, et sans financement, on fait rien. Aujourd'hui, les gens dépendent énormément de tout ce qui est CNC et de crowdfunding. Et nous, on a eu cette chance de pouvoir démarrer cash avec un crowdfunding, et donc du coup, de pouvoir avoir les rênes, tout simplement. Aujourd'hui, on a pu avoir le contrôle total quasiment du projet, le mener de A à Z. Certes, il a fallu trouver un studio pour tout ce qui est développement, et donc le fait évidemment d'avoir externalisé le développement du jeu, c'était un risque, mais c'est un risque qui a payé parce qu'on a fait confiance aux bonnes personnes. Black Pixel, c'est une équipe de passionnés, c'est une équipe qui était fan de Noob, et on l'a ressenti dès le départ. Ils se sont donnés vraiment à 800% pendant 3 ans. Et je tiens déjà à les remercier, eux, remercier la communauté, et puis aussi inviter les personnes qui sont là sur le chat à potentiellement découvrir. Pour ceux que ça intéresse, je dirais juste qu'on a ouvert notre site du coup pour le jeu. Ça s'appelle noob-du-6, donc noob-rpg.com, et dedans vous avez du coup déjà des images, un petit trailer, vous avez des descriptions des héros. Et vous avez la possibilité même donc de précommander le jeu, qui est donc à 15€ actuellement en prévente. C'est un super mot de la fin. Je rebondis sur... C'est pas génial. Je trouve ça magnifique. Petite question-réponse rapide, on me demande s'il va y avoir des personnages très connus, tels que Sparadrap ou Grosbain des Doigts. Ou alors, dans le jeu, ou est-ce que ça va vraiment être que des... En fait, tous les personnages de Noob sont dans le jeu vidéo. Donc on pourra vraiment croiser tout le monde. Ah, on va tous les croiser. Il y a les contributeurs aussi qui ont participé au palier à 1000, qui eux ont carrément eu leur personnage qu'ils ont choisi d'incarner, ils ont tourné avec nous dans la web-série, et ils ont également leur personnage qui a été modélisé dans le jeu, avec une quête qu'ils ont travaillée avec Fabien, qui est dans le jeu. Donc il y a vraiment eu la communauté qui s'est vraiment investie, puisque... je pense pas qu'il y ait beaucoup de RPG qui proposent ce genre de choses, d'avoir son personnage qui est créé pour eux avec une quête qu'ils ont pu écrire avec l'auteur. Donc je sais plus pourquoi je disais ça, en fait. Parce qu'on demandait s'il y avait des personnages importants dedans, mais du coup ils y sont tous. Évidemment, il y a tous les personnages. Et il n'y a pas de caméo, parce que dans les caméos dont on avait parlé dans la campagne, on va pouvoir voir Marcus. On va pouvoir voir le Nalband. Il y a aussi... garder quelques surprises. Ah bah ça, de toute façon, c'était annoncé. Ah oui, d'accord, ok. Ça faisait partie des différents paliers et tout. Donc ça, c'est dans toute la partie IRL. Et même, il y a Grosbain des Doigts, du coup, qui est le personnage de Marcus dans la web-série. C'est un très joli programme. Du coup, je rappelle que le jeu est toujours en développement. Il y a le site officiel qui vient d'ouvrir, comme tu l'as évoqué. Donc, les contributeurs pourront y toucher courant avril, si je ne dis pas de bêtises. Et avril, il y a donc la bêta 2. Ok, ouais. Pour tout ce qui est tous les contributeurs, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent le recevoir avant l'été. Donc, je pense en mai. Super. Et pour une sortie finale, peut-être estimée à la fin de l'année. On va voir, mais peut-être même avant, hein. Ça va dépendre si on a des réponses ou pas. Pour le moment, je ne veux pas m'avancer parce que j'en sais strictement rien quand est-ce que Steam va nous répondre. Mais on peut estimer ça cette année. C'est ça. Ok, super. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour cette interview.
Coup, voilà, on mettra un petit lien dans le chat pour rappeler le site officiel. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau créneau pour la GFrench Direct. On va parler de The Last Spell dans quelques instants. Merci à Matt, merci à Anne-Laure. Et de rien. À très très vite. Merci. À bientôt.